parti pour un cours de gym d'une demi-heure. On va commencer par s'échauffer, on monte les bras, on inspire, on souffle, on relâche. Une dernière fois, on inspire, on souffle, on relâche. On vient arrondir le dos, menton, poitrine, bassin rétroversé, épaules basses. On relâche les bras, on déroule le dos et on va faire quelques petits squats. On descend, on monte, on inspire, on souffle. On ramène bien le fessier loin derrière. Encore 4, 3, 2. Le prochain, on décolle un genou, puis l'autre. Serre les abdos, les épaules sont basses. Et on va commencer à allonger la jambe. Hop, un petit kick. Hop, hop, en serrant bien les abdos. Sans rétroverser le bassin, donc on ne monte pas trop haut les jambes. Allez, on vient de toucher ce qu'on peut, le pied, le genou, sans pencher le buste. Allez, les dernières. Et on part en squat écart. On ouvre bien les pieds, on descend le fessier loin derrière. On inspire en descendant et on souffle en remontant. Encore 4, 3, 2, 1 et on ramène. Allez, c'est un échauffement court puisque le cours va durer qu'une demi-heure. Donc on va commencer pied largeur bassin. Déjà on teste l'équilibre. On décolle le pied droit ou gauche, peu importe. On va tourner un petit peu la pointe du pied droit vers l'extérieur droit et on fait des petits. Travailler les adducteurs. Huit, neuf, dix. Et on fait des petits cercles sans bouger le bassin, tout petit. Respire bien. Et dans l'autre sens, on tourne les pouces vers l'extérieur, les paumes de main sont vers le plafond. Ensuite, on ramène la jambe tendue et on fait 10 petits côtés. Très bien. Et là, on fait 10 cercles dans un sens et 10 cercles dans l'autre sens. Allez, dans l'autre sens, on fixe bien le genou d'appui qui est bien souple. 9, 10. Et maintenant, on ramène la jambe droite tendue derrière. Et on descend en planche et on tourne toujours les pouces vers l'extérieur, paume de main plafond. Donc là, on descend plus ou moins tant qu'on est aligné avec l'arrière. Donc la tête, le dos, la jambe arrière. Et on remonte. On souffle, on relâche, ça réchauffe bien. Allez, on se positionne sur l'autre pied, donc on change de jambe. Le genou légèrement fléchi, souple. Et on tourne la pointe du pied gauche vers l'extérieur. Et là, on fait des petits, on souffle. En montant la jambe, on souffle. Huit, neuf, dix. Et on fait des cercles dans un sens. On aurait pu prendre un bâton loin ou le mur pour s'appuyer si c'est dur. Allez, on a changé de sens. Très
Très bien, 10. Et on ramène la jambe tendue, parallèle par rapport à l'autre pied. Et on fait petit. On tourne toujours les paumes de main vers le plafond, on pousse vers l'extérieur. Le buste bien droit, les épaules alignées avec les hanches. Et on fait des cercles. Serre les abdos, on rentre le nombril. Et dans l'autre sens. Enfin, on ramène la jambe tendue derrière, on penche le buste. On tourne toujours les paumes de main vers le plafond, les pouces vers l'extérieur. Et on cherche l'alignement plus ou moins bas. Et on redresse. Allez, on secoue un petit peu les jambes. On boit et on va passer allongé sur le dos. Allez, on s'allonge sur le dos. Donc là, je vais tendre le bras droit plafond. Pardon. Et en même temps, la jambe gauche. Et je repose. Je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire. Je cherche à bien tendre la jambe. Pied flex. Donc, petit à petit, on va décoller le pied qui est au sol. Et on va faire le même mouvement. Bras-jambes opposés, en serrant bien les abdos. Et on ne repose pas les bras. Et on accélère un petit peu. Puis, on bloque. Les deux bras tendus plafond, on tend les deux jambes. On peut mettre les bras un petit peu en arrière des épaules. Et on fait petit avec une jambe après l'autre. Donc attention à bien avoir les genoux toujours au-dessus du bassin, pas décalés hein, ici. On ramène bien. Et on fait des petits ciseaux avec les bras aussi. Hop, hop, hop. Il faut bien fixer le buste, la tête. Et on serre très fort les deux jambes, les deux genoux, les adducteurs, le ventre, le périnée. Et on serre bien les deux mains. On ramène ensuite les mains à la nuque. Et on fait petit là-haut. Donc le buste décollé, la tête décollée, le regard au plafond. On bloque le buste. Je vais ramener le bras droit, paume de main extérieure du côté de la jambe gauche. Je ramène et j'alterne. Je tiens toujours la tête. J'expire en montant. Je souffle par la bouche et progressivement, je vais décaler une jambe, donc pas trop basse, et je vais un petit peu plus vite, je tiens toujours la tête. Allez, plus que 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. On secoue un petit peu les jambes, on rapproche les pieds serrés et on vient laisser tomber les genoux sur les côtés. On souffle un petit peu. On referme en soufflant et on vient se mettre sur le côté. Donc on se met en appui sur le coude. Alors,
La jambe extérieure, elle est fléchie. La jambe devant, elle est au sol. C'est celle-là qu'on va utiliser. On pose la main au sol et on monte, on descend. On ne repose pas. On souffle, on inspire. Donc là, on est focus sur les adducteurs, l'intérieur de la cuisse qui monte et on fait petit là-haut. On bloque, attention, on décolle le pied de la jambe fléchie et on descend à nouveau la jambe, on monte. On souffle bien en montant la jambe, le bassin ne bouge pas. Et on fait petit là-haut, petit. Huit, neuf, dix, et on relâche. On souffle un petit peu. Alors, avant de changer de côté, on va venir se mettre à quatre pattes. Donc, plus j'avance les mains et le bassin, plus mes petits triceps vont être difficiles. Si j'ai mal au poignet, à ce moment-là, je fais un mouvement avec les bras derrière fléchis, tendus, fléchis. Allez, on fait quelques petites pompes pour les triceps, les mains sont serrées. On inspire, on souffle. Donc on souffle en tendant les bras. On serre bien les deux genoux, le ventre. Donc on descend plus ou moins bas tant que les coudes sont serrés. Et on fait petit milieu, petit. Et on vient bloquer. Allez, on serre bien les abdos. Le regard légèrement diagonal au sol. On serre les genoux, on serre les deux pieds, le fessier, le périnée, et on repousse. Allez, on change de côté. On vient s'installer sur le coude, sur le bras. Le pied au sol. Et c'est parti, on décolle. On monte. On descend, on souffle en montant. Les abdos sont bien serrés. La pointe du pied tournée vers l'extérieur, la jambe un peu fléchie. Et on fait petit là-haut, hop, on redescend moins. Très bien, maintenant on décolle le pied de l'autre jambe et on repart en grande amplitude avec la même jambe, on monte, on descend, on souffle, on inspire, on serre bien les abdos. Et petit là-haut. Sens bien la sangle abdominale engagée avec les adducteurs. Et on relâche. On souffle un peu, puis on vient s'asseoir. Donc là, on peut, si on a des haltères, prendre les haltères. Je ne les ai pas sortis. Donc, on écarte au maximum les deux jambes tendues, pied flex. On tire un petit peu le fessier derrière.
Et on ramène les coudes en face des épaules, alignés, poignets alignés avec coudes. Et on serre et on ouvre. On souffle, on inspire. Donc là, on est en auto-grandissement au niveau du dos. On rentre bien le ventre, donc c'est-à-dire qu'on actionne le transverse et le périnée. Donc dans cette position pas si facile. On souffle quand on ramène les coudes qui se touchent. Donc attention à bien aligner le dos avec le bassin. Si c'est trop difficile, on n'hésite pas à rapprocher un petit peu les pieds et à fléchir les cuisses. Allez, petit devant. Et on peut accélérer, faire plus ou moins vite. On bloque les coudes, on monte, on descend. On souffle, on inspire. Donc là, le but du jeu, c'est que les coudes restent bien serrés. Ne bouge pas. Si on n'arrive pas à les serrer complètement, eh bien, la distance entre les deux coudes ne change pas en montant les bras. Et on bloque. On ramène. Et on monte les deux bras plafond. On souffle. Puis un bras après l'autre. Hop, hop. On cherche à bien replacer ces segments. Et je vais commencer à incliner un petit peu côté. Donc là, si on a les haltères en main, ça va commencer à chauffer. Hein, parce que même sans les haltères, on commence à le sentir. Allez, on incline, on passe bien le bras au-dessus de l'épaule. Et on va faire du même côté. Côté, ramène, souffle, inspire. Allez, on expire bien par la bouche et on change de côté. Et 10. Et 9. 8, 7, 6, 5, plus que 4, souffle, inspire, plus que 2, 1, et on relâche les bras, on enroule les épaules. Ouh, ça chauffe un peu les épaules, hein. On ramène le bras droit vers la gauche, on pousse, on est toujours en auto-grandissement au niveau du dos, on serre les abdos, et pieds flex. Et on change. Très bien, on va soulever un petit peu son poids de corps. Donc, on se met en appui sur les phalanges ou sur les poignets. Et on décolle. Donc là, je ne cherche pas à monter forcément le bassin aligné comme ceci. Hein, je reste en bas. Et là, je fais juste des petits montées de bassin. Hop, en serrant les abdos, on regarde plutôt diagonale plafond. Et là, on vient aligner et on bloque. Allez, on serre les pieds, les genoux, le fessier. Allez, plus que 4 secondes. 3, 2, 1. Et on relâche. Alors, on va enrouler un petit peu les poignets. On tend les deux bras, paume de main vers l'extérieur. Jambes fléchies, on appuie sur les talons.
Et on monte les deux bras plafond, on inspire, on se grandit. Puis on vient ouvrir la cage thoracique. Et on va venir se mettre pour terminer sur les avant-bras. Allez, à quatre pattes. Allez, on va tendre la jambe droite, statique. On va tendre le bras gauche côté. Donc on serre bien les abdominaux, le regard au sol. Donc on tire au maximum sur le bras côté, sur la jambe tendue derrière. On va décoller, si on peut, le pied qui reste au sol. Si c'est encore trop facile au niveau de l'équilibre, eh bien, il me reste à tourner la tête à droite. Allez, on serre le ventre et on relâche. On vient ramener le fessier vers les talons. Et on change, on replace le bassin au-dessus des genoux. On vient tendre la jambe gauche derrière, pied pointé, ventre serré. On tend le bras droit côté, aligné avec l'épaule, paume de main vers le sol. On serre bien les abdos. Donc on allonge au maximum le bras côté, la jambe tendue derrière. Soit on reste comme ça, soit on décolle le pied qui est au sol. On serre bien les abdominaux. Si c'est trop facile, il suffit de tourner le regard à gauche. On aurait pu aussi décoller la main qui était au sol. Waouh! Costaud là. Allez, plus que 4. 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, on ramène le fessier sur les talons, on relâche le dos, les bras. Enfin, on va terminer les pecs qu'on a travaillé en faisant les coudes serrés en position assise. On éloigne pardon, les mains l'une de l'autre, donc au niveau des épaules ou un petit peu en avant. Et c'est parti, on fait quelques pompes, les mains bien écartées. On inspire en descendant, on souffle en montant. Si je veux que ce soit un petit peu plus difficile, eh bien, il me suffit d'avancer le bassin des mains. Comme tout à l'heure pour les triceps, les mains serrées. Progressivement, je vais rajouter les pieds décollés, les talons vers le fessier. Serrez bien les deux genoux, le fessier. Et on bloque milieu. Allez, on tire les pieds vers le fessier sans bouger le bas du dos et on repousse. Allez, on écarte les bras un petit peu plus côté, on ramène fessier toujours vers les talons. Enfin, je me redresse un petit peu. Alors, je peux venir ouvrir la cage thoracique. Je relâche, je vais avancer le pied droit. Je fixe mes orteils du pied de derrière dans le tapis. Allez, les coudes serrés et je viens tendre. Je fléchis la jambe de devant. Donc le genou bien au-dessus de la cheville et je allonge les bras dans le prolongement du dos, le regard dans la diagonale au sol. Et je serre bien mes abdos. On peut descendre un petit peu le bassin en fléchissant un peu plus la cuisse de devant.
Et on ramène. On enroule les épaules. Et on ramène l'autre pied devant. Allez, je fléchis mes avant-bras. Je décolle. Je tends les bras. Je fléchis la cuisse de devant. Je serre bien mes abdos. Donc, je peux très bien rester un peu plus haute ou au contraire descendre un peu plus bas. C'est en fonction de votre ressenti. Plus je descends, forcément, plus ça va être difficile. Allez, on serre bien les abdos. Ça donne chaud, hein, cet exercice. Ouh. Allez, encore 4 secondes. 3, 2, 1. On relâche les bras, on pose les deux mains sur la cuisse et on rapproche le pied. Allez, on se met debout. On relâche un petit peu les jambes, on secoue. Puis on va ramener le bras droit derrière la tête. Et on cherche à toucher l'omoplate droite avec la main entière, le coude. On incline un petit peu à gauche. On ramène les deux bras, on enroule les épaules. Allez, on change de bras, on étire le triceps gauche. La main gauche cherche à toucher l'omoplate gauche. On peut incliner aussi un petit peu. On ramène, on enroule les épaules, on relâche bien les bras. Allez, on refait un petit dos rond en gardant les épaules au-dessus du bassin, menton, poitrine. On éloigne les omoplates de la colonne vertébrale. Puis on vient ouvrir les deux bras côtés, on inspire. Tire bien le dos de la main vers l'avant-bras. On relâche les bras. La jambe fléchie, on vient enrouler la tête, le dos. Toujours les cuisses fléchies, on vient relâcher le buste en gardant les fesses au plafond. On relâche bien la tête, le dos. On sent que ça tire un petit peu dans la partie arrière du corps. Et on vient dérouler. Enfin, on monte les deux bras plafond, on inspire. Et on souffle, on relâche les bras. Et voilà.